Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on démarre cette vidéo sans Cristiano puisqu'on va vous présenter dans cette vidéo une semaine type pour Maël. Donc comment ça se déroule une semaine pour lui avec son école et ses spécialistes. Si ça vous intéresse, ça se passe après. Générique, à tout de suite. Et donc on commence avec le début de la semaine, donc nous sommes lundi et aujourd'hui Maël n'a que école. Donc il est scolarisé une heure par jour de 9h jusqu'à 10h du matin, enfin c'est 9h moins 10 exactement, jusqu'à 10h. Et aujourd'hui il n'a pas de médecin, donc c'est que école. Ah, voilà, ah oui, allez. Et donc aujourd'hui, donc Maël n'a eu que école, donc il a école une heure par jour, donc de 9h moins 10 à peu près jusqu'à 10h du matin. Et apparemment à l'école ça s'est super bien passé, hein Maël? Donc pour petit Maël, la journée est finie pour aujourd'hui. Maintenant c'est place au repos, à se détendre et à jouer tranquillement. Et on se retrouve demain pour la suite de la semaine. Et hop, bing, 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 bing. Allez, vas-y. Et hop là. Bing, 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 bing. T'as essayé de faire? Allez, vas-y. Ouais. Mais non, hein. Bon, bon, bon. Allez, vas-y. Et deux, trois. Allez, viens, mon petit Maël. Bon, t'es sûr qu'il passe là? Boum, boum, boum. Waouh, waouh. Il est presque aussi gros que toi, ce ballon, dis donc. Allez, viens. Boum, boum, boum. Allez, vas-y. Wouh, wouh, wouh. Ah non, non. Ah, c'était coquin. Allez, viens, un, deux. Et après, c'est quoi après le deux? Un, deux, trois. Bang, 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 bang. Voilà, nous sommes mardi matin, donc c'est l'heure d'aller à l'école pour les garçons. J'irai chercher Maël tout à l'heure, donc dans une heure. Et aujourd'hui, donc mardi, Maël, cet après-midi, il a son travail avec le psychomotricien. Et moi, c'est le sport. Et toi, c'est le sport cet après-midi à l'école, ouais. Donc là, on est parti pour l'école. Et on arrive à l'école. Eh oui! T'es prêt? Et voilà! Mardi après-midi, petit Maël donc il va au psychomotricien. Donc là, il a un rendez-vous de 30 minutes. 30 minutes de travail. Qu'est-ce que tu as vu? Hein? Un monsieur qui court? Ouais? Ah, viens voir, on va traverser, viens voir. Tu es parti sans m'attendre. Et voilà.
T'es prêt? Mel, t'es prêt? T'as envie de venir ici, hein? Ah non, chouchou. Oui. Allez. On attend. Et ça sera fini pour aujourd'hui pour lui. Donc là, t'as pris ton nana aujourd'hui? Oui. T'as pris ton nana avec toi? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Le mur? Ouais. Allez, et nous on se retrouve demain. Et voilà, donc nous sommes mercredi et aujourd'hui pour Maëlle, c'est tranquille, ni école, ni médecin. Là, on part pour faire... Ouais, vas-y, tire mon chéri. On part pour faire 2-3 courses et après, on va rentrer à la maison et on va s'amuser et tout. Et là, je vais aider le grand qui est coincé. Allez, on est parti. Ouais, c'est comme ça. Tu fais un petit peu de pâte à modeler, Maëlle? Alors, qu'est-ce que c'est? Tu as un petit boudin? Ouais. Waouh, tiens. Ah oui, tu fais un serpent. Il aime bien faire des serpents en pâte à modeler. Comme ça. Très bien. C'est bien, Maëlle. Super, chérie. Et on termine ce mercredi après-midi avec une petite balade en vélo. Et voilà. Cristiano avec nous, bien sûr. Et voilà, ça va leur faire du bien. Il fait bon. C'est tout grand, parce que regarde Maëlle. On va Maëlle dessus. Et voilà. On finit cette journée de mercredi avec un beau ciel. Allez, on se retrouve demain. Et voilà, nous sommes jeudi matin. C'est le moment pour l'école pour Maëlle. Voilà, allez. Allez, go. Et en courant. On met les chaussons, Maëlle. Maëlle. On met les chaussons. Donc c'est jeudi après-midi et là on va direction l'ergothérapeute pour petit Maël. Donc là ça va, l'ergothérapeute c'est pas très loin de chez nous, on a à peu près 20-25 minutes de route. En moyenne il faut savoir que pour aller chez ces spécialistes on met donc entre 25 et ça va jusqu'à 40-45 minutes sur certains médecins. Mais je me dis qu'on est chanceux parce que on met à chaque fois moins d'une heure, donc ça va, on met de la musique sur le trajet et c'est cool. On y va Maël? Allez c'est parti, let's go. T'es prêt? Oui. On est arrivé donc chez l'ergothérapeute. Allez, viens Maëlle. Viens. C'est juste ici. T'es bien installée? Ouais. Ça va? Ça va mon amour? Ça a l'air, ouais. Super. Et voilà, la séance de Maëlle est finie. Tiens, viens mon petit cœur, on est garé juste là. Viens voir mon chéri. Là, il est bien fatigué, ça l'a quand même bien épuisé sa séance chez l'ergothérapeute. Il est temps pour nous de rentrer. Et on se retrouve demain pour la journée de vendredi. Allez mon chéri, on rentre, viens vite au chaud. Allez, monte vite à l'abri. Allez, à demain! Et voilà, nous sommes vendredi matin. École pour ce matin, dernier jour d'école. Ah, là, il y a le bus qui arrive et Maëlle, il adore le bus de l'école. Alors, on s'arrête pour le regarder.
Waouh, super, hein. Allez, nous direction l'école. Ok, donc on est vendredi après-midi, on se retrouve encore et toujours dans la voiture. Donc Maël, concernant l'école, donc il a fini pour cette semaine. Et là, donc il va direction l'orthophoniste, mon chéri, pour 30 minutes de travail. Allez, c'est parti, on y va, on se retrouve là-bas. Hello Maël. On est bloqué dans des travaux. Ça va mon lapin? C'est long les trajets en voiture et on en a marre. En fin de semaine, c'est vrai qu'on sature un peu. Allez, encore un quart d'heure, la minute et on est rentré. Ça sera bon pour aujourd'hui. Et voilà, on arrive à la maison. On a fini pour aujourd'hui. Oh, ça fait du bien quand même. Maël, il est quand même fatigué. Ah mon petit bout de chou. Là, on va les goûter un peu. Oh, quelle âme, maman. Oui, mon amour. On va aller boire un petit peu de l'eau avant d'aller récupérer Cristiano à l'école. D'accord, mon chéri? Et on vous retrouve demain. Parce que pour demain, c'est pas encore le week-end pour lui. Il a du travail un petit peu demain. Hein? Allez. À demain. Et nous voici samedi après-midi. Donc, il fait un temps vraiment pourri. Il pleut encore à Sceaux. Il n'y a plus à Sceaux pratiquement toute la semaine. Et là, c'est départ pour le judo, pour Maël. Donc là, il a une heure de judo avec l'association auquel on est adhérent. Donc l'association On t'aide pour l'autisme. On est parti? Allez, on emmène go. Ça va casser là. Donne-moi la clé USB. Donne-moi. Hop. C'est parti. Non, le clé est déjà parti. T'es super sage. Si t'es super sage. Cadeau. Un cadeau. D'accord. Mais que si t'es sage. C'est pas une tête orange, hein. C'est une tête verte. Oh là là. D'accord. Mais sois vert la tête, hein. Ah oui. Et voilà. Tu chèves ou pas? Non, c'est bon. Voilà. Tu m'appelles, ça va. Okay. Maël? Maël, ça va? Elle ira mieux? On va lui enlever les chaussettes? Ah oui. Et voilà, c'est fini pour petit Maël. Là, il est temps donc de le changer. Et on rentre chez nous. Donc ça lui a plu, il était plus dans le jeu que vraiment dans le judo, mais bon, il est petit en âge hein, et c'était sa première fois. Allez, on le change et on rentre. Go, 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 go. Et nous voilà donc à la sortie du judo et on va terminer cette vidéo ici. Alors demain, dimanche, il y avait normalement cours d'équithérapie, aussi bien pour Maël que pour Cristiano, puisque c'est la seule activité où Cristiano a le droit aussi de participer. Sauf que au vu du temps, je ne sais pas si vous voyez, mais il pleut et il a plu comme ça toute la semaine. Donc l'équithérapie, ça a été annulé. Et donc pour la semaine de Maël, c'est fini juste ici. Oui, Cricri, il n'aime pas du tout que son petit frère il se mange les doigts. Oui, Cricri, il n'aime pas du tout que son petit frère mange ses doigts parce qu'il mange ses doigts au sang. Et bah, Cricri, ça lui fait mal au cœur de voir son frère comme ça. On arrête la vidéo pour la semaine de Maël ici. Nous, on va souffler un petit peu parce que c'est quand même une semaine bien chargée. Bien évidemment, les semaines ne se ressemblent pas toutes. Il y a des semaines où c'est un peu plus chargé, d'autres semaines qui sont un peu moins chargées. Les jours diffèrent aussi, les activités au niveau de l'association, ça diffère aussi en fonction de la semaine. Donc voilà, on arrête la vidéo ici. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous juste en bas. Mais il dit rien parce qu'il sait que son frère il n'aime pas quand il fait ça. Abonnez-vous juste en bas pour nous suivre dans les prochaines vidéos. On vous dit à la prochaine vidéo. Ciao! Et c'est reparti avec les doigts. Voilà!